I've really been in my bone, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Donc, tu as perdu ta vivacité habituelle. Hein? Je vois des lignes. Les lignes de beaucoup de pensées. Les lignes de l'inquiétude sur ton visage. C'est ce à quoi tu t'attends? Comment? Oh, c'est vraiment sérieux. Attends, est-ce que ton mari ne revient plus chez toi assez? Vous ne faites plus le coït, vous deux, c'est ça? Voilà, écoute-moi. Est-ce que tu es biologiquement très très bien? En parlant de la conception. Je vais bien. Et ton mari? Il va aussi bien. Tout ceci devra aussi passer. Tout ce que tu vois passera. Vous pensez vraiment? Je le sais, oui. Ton histoire sera différente. Même si ton mari a 10, 15, 20 femmes à l'extérieur, toi, continue. Garde très très bien la maison pour lui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Rita, regarde-moi. Je suis content de t'avoir, chérie. Moi aussi. Je suis vraiment amoureux de toi. Je t'aime. L'amour est quelque chose de précieux. Et quand je le dis, t'aime aussi, quand je t'aime, comme je t'aime comme ça. Oui, moi aussi. C'est une expression d'amour. Oui. Oh, tu penses vraiment que j'ai une belle voix? Pas une belle voix? Non, j'ai ri seulement. Oh, excuse-moi, laisse-moi prendre mon appel. Ok. Non, en fait, juste calme-toi. Le problème, c'est que je comprends totalement ce que tu veux me dire. Calme-toi d'abord. La vérité est que ma femme est encore à la maison. Je t'assure qu'une fois qu'elle sera sortie, je vais venir. Sois calme, c'est pas grand-chose. Oui, ne te dérange pas pour ça, hein? J'attends juste qu'elle puisse partir, comme ça je viendrai sans problème pour qu'on en discute. Hein? D'accord? Oh, merci. Baby. Chérie, mon amour. C'était qui la personne? Ah, non, c'était juste un ami avec qui on traitait certaines petites affaires. Ok. D'ici là, la nourriture sera prête. Et c'est vrai, chérie, mon amour? T'inquiète, je vais te bouger dès que la nourriture sera prête. Donc, ne t'inquiète pas trop. D'ici là, je serai là. C'est vrai, ça. Ne t'inquiète pas. D'ici là, tu auras ta nourriture. D'accord, j'attends. Je suis là maintenant et je t'écoute. Oui, pas grand-chose à dire présentement. C'est pas la même chose que je t'ai toujours dite. Et je crois que bon nombre de personnes y croient. Certains pensent que l'amour est suffisant. Et telle est l'erreur de beaucoup de mariages à ce jour. L'amour seul ne suffit pas. Si tu veux des mariages réussis, il y a plusieurs principes à observer.
des principes. L'amour en premier, oui. Mais tu dois savoir qu'il n'existe jamais de mariage réussi sans la compréhension, le pardon, la cohérence, l'amour. Ok. Et par-dessus tout, la responsabilité. Le mariage, c'est un appel à la responsabilité. L'amour seul ne suffit pas. Tu dois être responsable. Et avec ça, ce n'est que quand les gens s'aiment et se décident de vivre ensemble, c'est alors que les choses se passent bien. Tu sais quoi? Il y a quelque chose que je veux que nous sachions en tant que famille, que la vie va au-delà de ce que nous voyons. La vie est plus mystérieuse. Et même certains qui pensent que c'est mystérieux, ils doivent aussi avoir cette capacité d'agir comme de grandes personnes. Oh, j'ai oublié quoi ça? J'ai oublié ma carte. Ma carte d'identité. Non, j'ai oublié ma carte d'identité. Maintenant que vous l'avez oublié, nous devons rentrer. Oui. Ah, désolé, d'accord. désolé. Ça ne dérange pas. Ok. Mais toi, je suis en train de te dire, rappelle-moi, mais regarde-toi. J'ai aussi oublié. Pourquoi tu l'as oublié? Maintenant, tu pensais à quoi? Parce que vous blaguez vraiment avec les gens. Si on nous arrêtait ici, bien que j'insistais, je te disais, rappelle-moi, c'est parce que tu es encore jeune. Désolée. Je t'en parlais parce que tu es jeune, tu peux te rappeler, tu devrais t'en rappeler. Je vous comprends pas. Tu es jeune, mais tu te comportes comme un vieux. Oh, tout ce qui a à faire ça. Même vous, jeunes. Bon, ce n'est pas grave, on rentre déjà. Bon, j'étais en train de dire, dans une relation amoureuse, soit dans un foyer, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. À l'occurrence du pardon. Sans problème. Allons-y, c'est moi, je te parle. Mais nous sommes déjà tout prêts. Allons-y, bien sûr. C'est quoi ton problème? Tu blagues avec moi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Attention. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un là-bas. Oli, vous là. Qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-moi, laissez-moi vous donner de l'argent. Je suis votre père. Oli. Est-ce que je suis votre père? Qu'est-ce qui ne va pas? Oli, qu'est-ce qui ne va pas? Tu blagues avec moi. Laissez-moi descendre, malade que vous êtes. Blague avec moi. Attends, regardez. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Oli. Il y a quelqu'un là. Arrêtez de me déranger. Il y a quelqu'un juste là. Oli. Je vous montre quelqu'un là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez. Il y a quelqu'un. Regardez. Je suis en train de vous montrer autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi, je vais y aller. Laissez-moi calme. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je veux aller. Non, mais. Papa. Pourquoi vous me dérangez? Attends. Oli. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Regardez les amis. C'est vers elle que je vais. Non, attendez d'abord. Attendez. Arrêtez de me déranger. Arrêtez de me toucher comme ça. Il y a quelqu'un là-bas. Regardez là. Regardez cette dame. Regardez cette dame telle qu'elle est là. Non. Mais quelle femme que tu parles? Elle est là. Quelle femme? Arrêtez de m'empêcher d'aller là-bas. Elle est juste là. Mais est-ce que vous la voyez? Mais attendez d'abord, attendez que je me repose comme ça, on verra. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est là, je vous la montre. Elle est là, regardez la dame, attendez, je vais aller vers la dame. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Attendez, je vais aller vers la dame. Mais quelle femme? Elle est là, regardez. Soyez d'abord posée, elle est là. Ah, vous me dérangez. Papa, c'est pas votre il problème. Quelle femme, c'est pas votre quoi, problème. Quelle femme, papa. Quelle femme. Cet homme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi vraiment le problème? C'est quoi le problème réellement? L'enveloppe.
Qu'est-ce qui peut faire ainsi qu'ils deviennent comme ça? Qu'est-ce qui peut se trouver vraiment dans cet envers-là? C'est ça vraiment les grands problèmes. C'est ce qui lui dérange à tout moment. Je vois, c'est ça, c'est cette enveloppe. Oh. Oh. Oui, allô? Oui, je viens à peine de t'envoyer les photos de tous les résultats. Oui, c'est vraiment, vraiment bien. C'est OK maintenant. Je sais ce que tu dois faire pour moi maintenant. Envoie-moi juste ça tout de suite afin que je vérifie très bien. Merci. Mais qui peut frapper la porte comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que ce colis était arrivé? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'as pas demandé à la sentinelle? Tu l'as ouvert? Non. Je sais bien que tu l'as ouvert. Et tu essaies même de me mentir. Tu l'as ouvert. Qu'est-ce qui prouve? La preuve est à l'intérieur. Pourquoi tu fermes la porte? Laisse-moi te dire. Pour que tu entres dans ma maison, tu as besoin de ma permission. C'est une sale habitude que tu as. Si tu forces encore d'entrer dans ma maison, je te ferai passer pour une voleuse. Ok? Je peux te faire ça. Ok, écoute. Je veux que tu contactes Yaba Left, Linda Eke du Bloc, Ista Bloc, Bella Nadia, Just Over, Tuna Egglod et Abu Media Africa. N'oublie pas de faire ce que je t'ai demandé, ok? Et à ça, ok?
fille vient. Sois tranquille. Écoute, ce que tu fais, c'est ce que tout enfant doit faire. Tu veux partir le visiter? Oui. Je vais aller chez ma maman. Pourquoi? Regarde, je n'ai pas d'argent. Si j'en avais, j'allais te le donner pour lui. Mais la seule chose que je peux faire en secret, c'est prier. Sois fort, toi, mon enfant. Alors, vas-y. Vas-y. It pains in my bone, like it also eats in my hood. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Ooh. I feel the pains in my bone, like it also itch in my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Ooh. I feel the pain in my bone, like it also itch in my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Ooh. Like it also is. La vie. Regardez comment tu es pour elle s'accorde pour ma mère. Papa, je sais que tu ne mens pas. Seigneur, pardon vraiment, j'ai besoin de ton aide. Maman, je m'inquiète beaucoup pour papa. Maman, je m'inquiète beaucoup pour papa. Ma chérie, je t'ai écoutée. Il n'est pas mort. Alors pourquoi on ne part pas le voir? Je ne sais pas où se trouve ton papa. Jennifer, depuis qu'il nous a quittés, je ne sais pas où il se trouve pour le moment. J'ai besoin de vous parler, maman. Ok, tu peux te mettre. Ma chérie? Oui, s'il te plaît, apporte la nourriture. Oui, la nourriture est là. Fini? Tout est déjà fait. Jennifer, as-tu déjà fait ce que je t'ai dit? Non.
Dès qu'on finit de manger, tu pars directement faire ce que je t'avais dit. Je crois que tu m'as compris. Oui. Prie et bénis cette nourriture. Jennifer. Alors prions le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te recommande cette nourriture. Bénis la source de provenance, la mère qui a préparé, qui s'est contribuée à notre santé. Maman. Donc, tu es en train de dire que, à part nos grands oncles Charles et oncle Yeba, nous n'avons plus d'autres oncles, hein? Non. Nous avons d'autres oncles. Ici, la question est que, qui peut vraiment nous aider? Donc, on a aussi d'autres oncles dans la famille, je pense. Oui, bien évidemment. Dans toute la famille, ils sont toujours là. Mais c'est un peu impossible. Mais pourquoi tu n'essayes pas de parler avec eux? Oui, je pensais déjà à ça. Ma fille! Si j'ai convoqué cette réunion, c'est à cause de la façon dont les choses marchent dans cette maison. Ce n'est pas du tout bien. Si les choses continuent à se passer ainsi et qu'on ne trouve pas de solution, tout va s'abîmer. Je sais que je n'ai pas de lien avec cette famille. Je ne suis qu'une simple cousinière. Mais avec mon âge, il n'y a rien qui ne marche dans cette maison. Et si quelque chose arrivait, la famille sera dévastée. Et les choses n'iront pas d'une bonne façon. Comment est-ce que les grands de la famille peuvent se perdre comme ça? Et vous me dites que la famille va bien? Non, tout ne marche pas, rien ne va. Nous devons chercher comment les retrouver. Mais maman, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que mon père est malade? Il reste maintenant dans la rue. Pourquoi personne n'est venu? Ferme ta bouche, Jennifer! Qu'est-ce que je n'ai pas essayé? Je fais de mon mieux pour l'arrêter afin qu'il ne reste pas dans la rue. Est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jennifer? Mais maman, on ne peut pas chercher d'autres personnes. Ferme ta bouche! Ma fille, je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens, c'est ton père. Si quelqu'un d'autre ressentait comme ça, s'il te plaît, ne condamne pas ta maman. Peu importe le problème, cherchons un moyen de trouver une solution et on va l'adopter. S'il te plaît, m'as-tu compris? Oui. Ne te chamaille pas avec ta mère. Les choses iront pour le mieux. Sois calme. Et toi, ma fille, il faut savoir comment parler à ta fille. C'est juste une petite fille. S'il te plaît. Excuse-moi, maman. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, je vais aller voir mon oncle. Ça fait longtemps. Ah bon? Comprends-tu ce que tu es en train de dire? La personne dont tu es en train de parler. Ok, tu penses que je l'aime plus? Hein? Et qui est celui qui est en train de frapper sur mon portail comme ça? Hein? Calme-toi, je suis en route, je viens ouvrir le portail. Bonjour, messieurs. Je suis content de vous voir, messieurs. Un fou. C'est ton père qui est un homme fou. Non, messieurs. Je suis vraiment désolé. Va là-bas. Oui. Entrez, messieurs. N'importe quoi. Entrez. Eh oh, madame, Oga est là, Oga est là. Ah, mais elle était ici.
Hein? Elle est allée où? Oh. Où est-elle? Mais où se trouve-t-elle? Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Monica? 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 Elle est où cette fille? Monica? Elle n'est pas dans la cuisine. N'est-elle peut-être pas dans la salle de bain? Oui, c'est très très bien. C'est très bien maintenant. Sais-tu ce que tu dois faire pour moi? Fais-moi juste le transfert de ces documents chez le docteur. Merci. Pourquoi les distractions à cette heure pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que ce colis était arrivé? Je ne sais pas. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu l'as ouvert? Non. Je sais bien que tu l'as ouvert. Et tu essaies même de me mentir. C'est ça, je sais. Qu'est-ce qui prouve? La preuve est à l'intérieur. Et pourquoi tu fermes même la porte? Écoute-moi bien. Pour que tu entres dans ma maison, tu as besoin de ma permission. Et c'est ça l'habitude que tu as. Si tu oses encore forcer d'entrer dans ma maison, je te ferai passer pour une voleuse. Ok? Je peux te faire ça. Ok, écoute-moi. Je veux que tu contactes Yabalek, Linda Eke du blog, Insta blog, Bella Naija, Gistiova, Tinder blog et Aku Media Africa. N'oublie pas tout ce que je t'ai demandé, ok? Tu m'as vraiment compris. D'accord, fais laissez-moi comme ça. Monica, donc c'est ici que tu te trouves. Tu as entendu ma voix, mais tu as refusé de répondre. Ah, Monica, je suis en train de lire. Et pourquoi? Tu prends même de l'alcool. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est, Monica? C'est un livre que toutes les femmes enceintes peuvent lire. Que penses-tu pour me les ravir? Hey, donc c'est positif. Monica! Hey! Alors, ça veut dire que tu ne connais même pas l'homme qui t'a mise enceinte? Hey! Monica! Comme? Hein? Donc tu es enceinte maintenant? Hey! Eh oh! Eh oh! Je n'ai pas le temps de faire tout ça avec toi. Comment vas-tu avoir du temps pour moi? Comment ça? N'es-tu pas satisfaite d'avoir déjà triché ton homme? Tu l'as rendu fou et maintenant tu es tombée enceinte. Les anciens doivent savoir. Tous les anciens doivent savoir à propos de ça. Tu peux partir, on va causer demain. Non, ma fille. S'il te plaît, tu n'as pas à jurer. Pourquoi vas-tu si loin comme ça? S'il te plaît, mets-toi. Maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que mon sang coule dans tes veines. Je connais qui j'ai éduqué. Je sais quelle distance ta mère et moi avons souffert pour t'emmener à ces niveaux. Et je t'ai fait confiance. Je serai à tes côtés. Maintenant que je connais la vérité.
S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas, ok? Merci. Mais j'aimerais rencontrer Marc. L'enveloppe. Qu'est-ce qui se trouve réellement dans cette enveloppe? C'est quoi vraiment le problème? L'enveloppe. Qu'est-ce qui peut se trouver vraiment dans cette enveloppe? C'est ce qui me surpasse, ça me surpasse vraiment. Qu'est-ce qui peut se trouver réellement dans cette enveloppe? S'il te plaît, viens oui. À l'intérieur. Maman, n'as-tu pas honte? Mon père est là d'ailleurs, en train de se promener sur la rue. Et tu viens avec cet homme. Peux-tu fermer ta bouche? Et avec quel courage tu me parles de la sorte? Entre là avant que je ne te touche. Ah, mon, s'il te plaît, assieds-toi, sois en tout cas calme. Ah, désolé pour ça en tout cas. Je crois que tu connais comment est-ce que le petit-enfant se comporte. Désolé. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux prendre pour toi? Dis-moi. Je suis bien. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? Quoi? Tchoukoudou. Tchoukoud. C'est qui Tchoukoud? Tchoukoud, il est mathématicien, non? Waouh. Mais ses solutions? C'est depuis l'école. Je sais qu'il doit être un homme riche maintenant. Je le connais depuis l'école. La façon dont il nous enseignait, toutes ses formules mathématiques, je crois. Je sais qu'il doit être riche maintenant. Alors je ne pense pas ainsi. Pourquoi? Les conditions dans lesquelles je l'ai vu. Conditions? Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tchoukoudi est vraiment mal au point. Mon Dieu. Tchoukoud. Oh, je ne peux croire à ça. La vie est tellement compliquée. Elle est vraiment compliquée. Imaginez maintenant. Ce n'est pas ce que j'avais planifié pour moi. Ce n'est pas ça. Regardez maintenant. Alors, essayons d'y penser. Je connais un pasteur qui est capable de restaurer la vie de ton mari. Jennifer! Oh, arrête! Pourquoi tu veux te donner la mort? Pourquoi? La vie continue toujours de me décevoir. Laisse-moi. Arrête! Mon père est dans la poubelle en train de manger les saletés pendant que ma mère s'amuse ici. Grande sœur! Venez s'il vous plaît, Jennifer veut se donner la mort. Prochainement, si tu essaies avec tes mauvais comportements dans cette maison. Prochainement, si tu fais encore ça, je te dis, je vais en finir avec toi. Laisse-moi te poser une question, Jennifer. Tu penses vraiment que tu aimes ton père plus que moi, c'est ça? Réponds-moi. Tu l'aimes? Je t'ai dit à plusieurs reprises que cet homme est mon ami. C'est juste un ami. Il peut rester ensemble avec nous et bien prendre soin de nous. Jennifer,
Ton père était devenu fou. Je n'étais pas morte. Et toi, si tu veux te donner la mort, c'est ton problème parce que je ne mourrai pas aussi. Prochainement, je te trouve encore en train de faire une telle chose, Jennifer. Crois-moi, je vais en finir avec toi. Et je vais te tuer moi-même. Maman, si tu veux vraiment me tuer, cela n'est pas un problème. Parce que j'aime beaucoup mon papa. Et maintenant, je suis restée avec toi. Ne sais-tu pas qu'il y a n'importe quelle femme qui couche avec un autre homme? Oui, qui le fait en dehors de son mari? Son mari va perdre la tête et il risque même de mourir. S'il te plaît, essaie de te calmer. Viens. Ma fille, on est des amis depuis notre enfance. Je ne peux pas être celui qui brisera ton cœur. Alors, bonne nuit. Tu es heureuse maintenant? Tu es heureuse maintenant? Like it all so easy, my room. This is my life. I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Mike, attends s'il te plaît. Attends s'il te plaît. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu ne peux pas partir. Ça, c'est le temps où j'ai besoin de toi. Tu me quittes à propos de ce que Jennifer vient de dire. Ce n'est pas seulement à cause de ce que la petite fille a dit. Même au village, tout le monde pense que je suis la cause de la folie de ton mari. Tu as oublié ce qu'il dit notre tradition? Je ne m'inquiète pas à propos de ce qu'ils croient ou encore à propos de ce qu'ils disent. Marc, tu veux me quitter c'est moi dans de telles conditions? Non, tu ne peux pas. Tu sais mieux comment est-ce qu'on a entretenu notre relation depuis que nous étions encore des enfants et pourquoi tu dois faire ça? Et toi et moi, nous connaissons mieux comment est-ce qu'on a entretenu cette relation de jour après jour. S'il te plaît, reste avec moi dans ce moment difficile. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est difficile. Mais je resterai à tes côtés. Ah, merci. Merci. Ma fille, je comprends ce que tu ressens. J'ai aussi mal. Mais ces deux personnes étaient des amis pendant un long moment. On va trouver une solution. Mais maman, n'est-ce pas que si une femme mariée couche avec un autre homme qui n'est pas son propre mari, son mari deviendra fou? Oui, c'est vrai. L'homme deviendra fou. Et d'ailleurs, dans d'autres communautés, l'homme va mourir. Et pourquoi on me dit de permettre à cet homme de rester avec nous? Alors que mon père et mes neuf filles marchent dans la rue. Jennifer, je crois que c'est vraiment dangereux ce que tu dis. Si cela fera ce que mon père veut, je suis prête à ça. Ma fille! C'est quoi cette nouvelle que je suis en train d'entendre et qui cartonne déjà? Concernant un jeune homme qui était en train de fréquenter cet endroit. Papa, c'est Marc. C'est Marc, oh. Marc? Oui. Marc. Ah, ah. Tout le monde savait que toi et Marc étaient très, très proches. En fait, et c'est dans la tête de tout le monde que vous deux devrez finir comme mari et femme. Mais ça ne s'est même pas réalisé.
Bien. Dans ce cas, prenons les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, où se trouve Jennifer? Va l'appeler pour moi. Jennifer! Jennifer! Naé! Comment vas-tu? Je veux bien, seul bienvenue. Merci énormément. Tu n'es pas à l'intérieur, que j'aille l'appeler. Oh, merci. Alors, j'ai toujours été le récoltant de nouvelles depuis que tu es né. Et je savais que tu allais être une des meilleures femmes dans notre communauté. Tu ne m'as jamais déçu depuis. Merci, papa. Ah, chérie. Papa, sois le bienvenu. Oh, vraiment. Je vais bien. Tu es très, très belle comme jamais. En fait, tu seras très, très belle que ta mère. Merci. J'ai appris que tu essayais de t'entêter dans ça. Où as-tu appris de telles mauvaises manières? Ok. Attends que je l'explique un peu plus, comme ça tu vas essayer de mieux me comprendre. Ok? Marc et ta maman étaient des amis d'enfance. En fait, et tout le monde dans notre communauté savait qu'ils allaient finir comme mari et femme. Mais, tu sais, ça ne s'est pas passé de cette manière. Ce qui lui est arrivé, nous ne pouvons que l'accepter de cette manière, ok? Alors, pourquoi il vient ici à chaque temps alors que mon père est dans la rue? Est-ce que c'est vrai? C'est juste parce que Marc était en voyage, papa. Et il est revenu. Mon mari était déjà malade. Tu vois? Ma fille, tu vois que les personnes qui ne connaissent ne sont que toi et lui. Et je veux que tu me dises la vérité, rien que la vérité. Est-ce que Marc a déjà vu ta nudité? Papa! Je vais jurer au nom de l'Éternel. Si j'ai déjà couché avec Mike, moi, ou soit lui l'a fait, que je meurs demain. Non, ma fille, s'il te plaît, tu n'as même pas à jurer. Pourquoi vas-tu si loin? Je suis désolé, viens t'asseoir, viens te mettre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que ce sont mes sangs qui coulent dans tes veines. Je sais qui j'ai éduqué. Et je connais ce que moi et ta mère avons parcouru pour te faire arriver à ce niveau. Et j'ai confiance en toi. Je serai à tes côtés maintenant que je connais la vérité. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ok? Mais j'aimerais rencontrer Marc. Il ne répond pas. Il ne me répond pas. Alors, que peut être le problème? Je ne sais pas. Je vais toujours continuer à essayer, papa. Je ne sais pas. La même chose. Et ça sonne? Oui, ça sonne, mais il ne répond pas. Il y a peut-être un problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème.
Depuis qu'on s'est connu avec Mike, en tout cas, notre amitié n'a jamais eu des indifférences. Dans ce cas, essayons d'accorder un tout petit peu de temps. Y a-t-il quelque chose que tu es en train de suspecter? Mais la fois dernière, il m'avait appelé. Peut-être comme je ne vais pas répondre, c'est ce qui a causé tout ça. Tu vois, ça pourrait être le problème. Je n'ai pas le choix, papa. On va essayer même plus tard. D'accord, et essayons d'attendre un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est une blague. Mais nous allons voir si c'est une blague, je ne sais pas. Oui, comment vas-tu? Je suis désolée, merci. Oui, papa est là en train d'attendre. Ok, tu es déjà en route. D'accord, à tout à l'heure. Enfin. Oui, il est déjà en route en train de venir. Tu vois, c'est à quoi consiste la patience? La patience, c'est à quoi ça consiste? Fatigué? Je crois que c'est lui, il vient d'arriver. Monsieur, bienvenue. En tout cas, tu es le bienvenu. Oh, maman, dis maman, comment ça va? Je vais bien, et toi? Je suis vraiment, vraiment désolée pour tout ce que ma fille t'a vraiment fait. S'il te plaît, pour tout le mal. Pardonne-lui. Je suis profondément désolée. Je n'ai absolument rien considéré là. C'est une très petite fille, non? Oui. Ah, mon fils. Merci énormément. Merci. C'est ça être un homme. Honnêtement, j'étais choqué quand elle t'avait jeté cette eau. Mais, Dieu merci. Les enfants sont de fois très, très amusants. Vraiment.
Oui, parlant de quoi je t'ai fait venir ici, je veux que tu saches que je me rappelle encore quand vous aviez commencé à être amis pendant que vous étiez trop petit. Et c'est cette amitié qui a continué pendant des années. Et récemment, les gens ont commencé à dire de choses en votre absence. Et moi là, j'imaginais beaucoup de choses. Alors, je t'ai fait venir ici afin que tu puisses nous accompagner pour aller voir les maris de ma fille. Papa! Papa, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Vous n'entendez pas ce que les gens disent? Et si on nous voit, qu'est-ce qu'ils diront? Non, regarde-la un peu de cette manière. Les gens ont commencé à se raconter du n'importe quoi. Oui, c'est bon. Mais je crois que une fois que les gens te verront là-bas, ils arrêteront de raconter n'importe quoi, vu qu'ils connaîtront déjà ce que c'est la vérité. Bon, papa. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Oui, ma fille. Très, très sûr. Ma fille, le mariage n'est pas toujours bon, comme tu te rappelles quand vous étiez à votre table de fiançailles. Il y a deux choses qui changent. Y a-t-il un problème qui te dérange? Je te l'ai dit. Je te l'ai dit parce que je le vis et j'aime bien ma fille. Ok, maman. Merci beaucoup. S'il vous plaît, prépare pour moi quelque chose. Tu es sûre?
Madame. En quoi? Où se trouve Jennifer? Qu'es-tu en train de faire? Je suis en train de chercher Jennifer. Je t'ai appelé pour que tu me trouves ma fille, bien que tu fasses ce que tu veux faire là. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je ne sais pas où elle est partie. Va la trouver là-bas. D'accord, laissez-moi alors la chercher. Like it's all so itchy, my roof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Tu l'as trouvée? J'ai pas pu la retrouver. Tu es sérieux? J'ai cherché partout, je suis passé dans des grandes avenues, je suis passé par-ci, par-là, je ne l'ai pas vue, hein. Madame, je suis dehors. Allô, bonjour. N'oubliez pas de me faire signe si vous la retrouvez. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle était restée à la maison. À ma grande surprise, je suis en train de la chercher, mais je ne la trouve pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'y va pas. Je ne sais pas trop. Ok, dès qu'elle sera là, vous me faites signe. D'accord, papa. Je suis en train de vous attendre. Bye. Mais j'avais raison d'être loin de vous, car j'étais partie voir mon père. Et quand je m'en souviens de tout ce que mon père a toujours fait pour moi, cela me pousse à agir ainsi. C'est pourquoi j'étais allée le chercher. J'étais partie voir mon père. Alors cet homme en tant qu'ami de maman, il n'a pas le droit d'être ici presque chaque jour. Ce n'est pas bien. Papa. Il n'y a rien pour une femme qui est d'aimer énormément son mari. Et soudainement, il est devenu fou. Après avoir parlé à ma fille, j'ai réalisé mes erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Monica? Papa. Si je ne te pardonne pas, qui d'autre pourra te pardonner? La femme à mon seul fils. Tu vois? Personne n'est parfaite sur cette terre. Donc, haïr, c'est pour les hommes. Mais pardonner, c'est divin. Alors, j'ai aussi eu mes imperfections. J'étais énormément triché. Je souhaite aussi que tu me pardonnes. Hein? Monica. Je te pardonne. Et toi aussi, pardonne-moi. Je veux que nous soyons une seule famille. Ok, merci, papa. Et restons une seule famille. Et quand est-ce que ton mari va revenir? Je m'inquiète pour toi, vu que tu portes un bébé. Je sais que tu portes un bébé. Hein, tu merci portes un bébé. Beaucoup. Merci. Laisse que la paix règne dans cette famille à jamais. Jennifer. C'est quoi cette chose que tu étais directement allée en utilisant ta colère? Qui est là? S'il te plaît, viens. Tu es là. Bon, tu peux prendre place. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Tu as l'air beau. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, tu es occupée en faisant la tresse. Oui. Maman, excuse-moi.
Bienvenue, monsieur. Tu vas bien, ma chérie? Ça va bien. S'il vous plaît, monsieur, je suis tellement désolée de tout ce que je vous ai fait. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous m'avez pardonné. Oui, je te pardonne. Avez-vous maintenant la solution pour que mon père aille mieux? Avant que tu ne puisses en parler, une solution avait déjà été trouvée pour ça. Merci beaucoup. Oui, maman, m'avez-vous aussi pardonné pour tout ce que j'ai eu à faire en votre ami durant tous ces temps qu'il venait ici? Oui, c'est déjà ma fille. Déjà il y a longtemps. Tu sais, tu es ma fille. Alors je ne peux demeurer en colère contre toi. Alors, de ta part, pardonne-moi, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. The pains in my bone, like it also itch in my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. The pains in my bone, like it also itch in my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Ooh.
Mon Dieu! C'est bon. Nous avons vu avec nos yeux. Et la question maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'est la solution? Nous avons presque tout essayé dans cette situation jusqu'à ce que nous avons échoué. Qu'allons-nous faire prochainement? Et passons à mon beau-frère, quelqu'un de très bon dans sa vie. À chaque fois que je venais ici, il me mettait toujours à l'aise. Et maintenant, il est devenu fou sans cause. Odogo Monke, un héros. Les pires dans tout ceci, avec ça, c'est qu'il a pu défier tous les médicaments pour... Voilà qu'il se retrouve dans ces conditions. Honnêtement... Je suis confus, je sais plus quoi faire encore. C'est bien, on a fait de notre mieux. À d'abord, du coup. La solution, c'est ce que je demande. Je suis prête à faire du n'importe quoi. Je vais le faire pour que mon mari rentre dans cette maison, oui. Je ne sais pas comment et quand. Mais moi aussi, comme sa fille, je dois aussi faire de mon mieux. Papa, pourquoi papa? Pourquoi papa? C'est bon. Oui, ça va.
Allons-y maintenant chercher un peu d'eau pour qu'ils boivent. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? On n'a pas le choix. J'étais en train de penser à quelque chose. Et c'est quoi la chose en question? À propos de ton oncle. Et c'est lui avec la barbe blanche. Ok, oncle Obi. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de lui vraiment? Comme un traditionaliste. Il peut t'avoir une solution à ce problème. On n'a jamais parlé de ça. Peut-être qu'on doit le voir demain. Ah, tu as intérêt. J'irai alors le voir demain. Il n'y a pas de problème. Papa, je suis désolée de vous avoir dérangé avec mon problème. Mais tu ne dois pas quand même me fatiguer. Mais n'arrête pas avec tes conseils. Ce n'est pas bien de revenir au passé plutôt que d'avancer. Laisse-moi entendre tes problèmes. Depuis que mon mari est parti, papa, sa famille ne me supporte plus jamais, papa. Ils disent que j'ai attrapé leur fils. Mais c'est que je sais moi-même et que je ne peux jamais le faire, papa. C'est au-delà de ma force. Mais ils croient fermement que moi, je y ai trompé leur fils, papa. Alors que ce n'est pas vraiment ça. Et je sais moi-même que je ne lui ai jamais trompé depuis que nous sommes mariés, papa. Les problèmes. Et qu'est-ce que ton père a dit à propos de tout ça? As-tu au moins parlé à ton père? Oui. Ok. Je l'ai fait, mais il a essayé de les convaincre pour leur dire que moi, depuis que nous sommes mariés avec mon mari, je ne l'ai jamais trompé, mais personne n'a cru à ça. Oh non, pas ça. C'est vraiment un problème que nous soyons en conflit ici.
en conflit de culture, en conflit de religion. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Rita, papa, as-tu au moins déjà, même ne serait-ce qu'une fois, triché ton mari? Je n'ai jamais et je n'ai même pas l'intention de le faire, papa. Tu sais, ça ne sera... Ce n'est même pas un problème pour moi. C'est juste que vous l'emmenez d'un aspect chrétien. Et pour moi, je pense que nous devons bien regarder cette situation en face. Alors, allons-y de cette manière. Premièrement, que nous arrivions à savoir qu'est-ce que la personne bénéficiera. Le fait de faire ça ne va pas prendre ta personnalité ou les bras de ta dignité. Et alors, si c'est fait de manière stricte, alors tu dois secondement le regarder. Mais le croyant chrétien ne croit pas en ça. Sinon, ce sera difficile pour toi de nier. Les gens vont te voir comme étant une complice. Oui. Dire que tu ne le feras pas, c'est comme... Quand nous nous marions, nous sommes des complices. Mais on dirait que tu es complice à autre chose. Je suis fatiguée avec ces démarches. Je n'arrive plus. Pourquoi mon papa fait agir de la sorte? Ma chère, tu dois quand même tenir bon. Hein? C'est ce qui arrive souvent. Tu dois tenir bon. Arrêtez-vous! Où allez-vous? Mais répondez-moi. Non, mais répondez-moi. Vous savez que je vous apprécie. S'il te plaît, je pars de la nourriture à mon père. Comme qu'il est malade, il a besoin de manger. Madame a dit que vous ne sortiez pas. Et donc, vous n'avez pas bougé de cet endroit où? Hé, ne blague pas avec moi. Je vous ai dit que vous ne bougez pas d'ici. Et tu penses que je blague? Fais attention. Monsieur, s'il te plaît, viens d'abord. Tu sais, non? Quand je vais revenir, je vais te rendre riz. T'inquiète. Et tu vas? Et tu vas faire quoi? Oui, je vais le faire pour toi. Tu vas les faire quand? Tu les feras quand? Hein? Seulement ce soir, quand ce je vais soir. Revenir. Toi, tu sais, non? Tu sais, quand je vais revenir, t'inquiète. Ce soir? Ah, oui. Hé, je suis un homme bien. Ce soir, tu vas me donner ça. Ce soir. Bébé, tu vas me donner ça ce soir. Ce soir. Tu vas me donner cette chose ce soir. Si tu ne me donnes pas ce soir, pour une quelconque raison, tu seras obligé de me donner encore plus. Et ce soir, tu vas encore me donner une nuit de plus. Tu vas encore me donner une nuit de plus. Je t'attends, ne gâche pas ma soirée. Maman. Oh, ma fille. Sois la bienvenue. Prends place. Oui. Comment va-t-il? Tu l'as retrouvé? Je l'ai trouvé, maman. Aujourd'hui, c'était un mauvais jour de ma vie. Je me demandais si quelqu'un pouvait vivre là où mon mari est. Bon, je ne sais pas. J'étais allée à sa recherche ce matin. Hein? À ma grande surprise. Mais j'ai trouvé que... Onome et Jennifer étaient avant moi. Quoi? Elles ne t'ont pas dit? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas pourquoi. Si je suis une mauvaise femme ou une mauvaise épouse...
Donc, c'est ce que vous faites vous dé à mon absence. Je suis désolée, maman. Désolée, maman. J'avais dit à Tantine Nommée de m'accompagner. Elle ne voulait même pas partir avec moi. Oui, madame. Nous sommes vraiment désolés de notre agissement. S'il vous plaît. Jennifer! Je suis désolée, maman. Ma fille, pourquoi? Désolée, maman. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok, excusez-vous. Je suis désolée, maman. Désolée, maman. C'est bon. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ça va aller. Hein? Il faut toujours faire les choses. Attends. Oui. Hein? Mettez-vous debout. Merci, maman. Jennifer, qu'est-ce qu'il y a encore? Hmm? Jennifer, c'est à cause de ton père? Oui, maman. Maman, je sais que vous n'êtes pas une petite fille. Je t'avais entendu dire que tu me comprends mieux. Je crois que tu vas encore me comprendre. Dites-moi un peu la vérité. Après tout ce que nous avons eu à faire pour notre père, il n'y a pas moyen qu'il revienne à ses bons sens. Comme je t'avais expliqué, nous avions fait des choses, mais la guérison est loin. Je vais vraiment faire de mon mieux. Aller prendre mon père et que je revienne avec lui. Chai, ça va. Je vais t'aider. Hmm? Ok. Il y a une petite fille qui t'attend. Elle peut avoir 14 ans. Maintenant? Là dehors. Ok. Madame, j'aurais appris que vous me cherchez. Alors, vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir me chercher comme ça? Je suis la fille de ces fous populaires que vous voyez souvent marcher dans la rue. Moi, je suis sa fille. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de la solution pour que ces grands problèmes qui est dans ma famille prennent fin. Comment? Je te vois souvent et chaque jour dans mes rêves. Et j'entends toujours les gens dire « Combien est-ce que vous avez le pouvoir ?» Pourquoi n'es-tu pas venu avec une grande personne comme ta maman, ton oncle ?
Ils ont fait de leur mieux, ils m'ont dit que ça ne va pas tenir, tout est déjà gâché. C'est pourquoi je vais aussi essayer de faire de mon mieux. Premièrement, je voudrais apprécier ton courage. Celui de fournir des efforts pour chercher la solution de problèmes de ta famille. Spécialement l'état de ton père qui te tourmente beaucoup. Tu dois venir ici avec une grande personne. Une grande personne, un homme ou une femme. Fais ça demain. Tu as compris. Ok, laisse-moi alors aller chercher de l'argent. Alors, prends soin de toi. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu m'appelles brusquement? Marc, il y a quelques jours jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ma fille. Et c'est ce qui me dérange vraiment. Mais j'avais entendu dire que elle est plutôt allée chercher la racine de ce problème. Es-tu sûre que elle est en train de prendre une bonne décision? Comment saurais-je? Je ne sais pas. Mais la seule chose qu'elle m'a dit, qu'elle doit faire de son mieux. Et je prie vraiment Dieu pour ce qu'elle est en train de faire. Si elle trouve vraiment une bonne solution, je serai heureuse. Ah. Ah, je prie seulement Dieu de la protéger là où elle se trouve. Elle est bien portante, j'y crois. Ah, papa, voici mes oncles. Bon après-midi, messieurs. Je crois que vous êtes venu accompagner de cette dame pour trouver la solution à ce problème, je crois. Je suis son oncle. Moi aussi, je suis son oncle. Oui. D'accord. C'est bien, alors. Je crois, le problème... Allons, va causer très bien. Pourquoi avez-vous laissé cette situation traîner jusqu'à présent? Jusqu'à présent, pourquoi? Homme sage, la vérité c'est que nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait tout de notre possible. L'amenant dans des différents hôpitaux, aucune solution. Moi aussi, j'ai essayé de rencontrer des gens, mais aucune solution prise. Un con, encore un con. Aucun quoi non. Celui-ci n'est pas un problème normal, il est plutôt spirituel. Hein? Laissez-moi vous dire ce que vous devez faire. Vous allez amener ces articles. Une jeune piton enceinte. Un piton. Le poivre d'alligator. Et une somme de 5000 naira. C'est tout. Alors, allez vous préparer et une fois que vous êtes prêt, faites-moi signe. On se mettra au travail. D'accord, merci, messieurs. Beaucoup. On y va. D'accord, on part. Ma fille, où en êtes-vous avec les articles? Depuis le jour où je les ai amenés ici, je ne les vois plus. Mais de quoi tu me parles? Quoi? Depuis qu'ils sont venus ici, donc tu n'as même pas vu tes oncles? C'est incroyable. Nous quoi? Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Excusez, monsieur, vous devez m'aider. Oh. Essayez de m'aider, sinon je vais me donner la mort. D'accord, c'est bien. Va te reposer, on va voir ça. Vas-y, on va voir ça. Un con connu.
Oh, s'il vous plaît, oncle, que voulez-vous faire? S'il vous plaît, non. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, s'il vous plaît? Arrêtez, non. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? S'il vous plaît, non, arrêtez. Arrêtez, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, non. Oh!
les résultats de ton travail. Je t'avais interdit de les faire, mais tu n'as pas voulu, tu m'as forcé pour qu'on les fasse. Et voilà maintenant les résultats disponibles. Lequel? Je porte ton enfant. Alors, il y a quelque chose que je veux comprendre ici, hein? Tu veux dire... qu'est-ce que c'est, hein? Oh, ma chère, comment ça va? Mais est-ce que c'est normal tout ceci, hein? Mais qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Mais regardez ça. Regardez-moi cette fille. Quelqu'un entrerait ici et penserait qu'on l'a fait souffrir. Est-ce que c'est normal? Comment une personne peut entrer dans la maison d'abord sans ses chaussures comme ça? Et avec ça, elle n'arrive pas à changer. Linda, ma chérie, oui. Je veux que nous parlions nous deux en tant que femmes. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Ne t'inquiète pas. Allez, viens, on va parler. Mon chéri, calme-toi, j'arrive. Hein? D'accord. Allez, allons-y. Allons-y, ma chérie. Alors, ma fille, comment tu vas? Je vais bien. Comment l'école aujourd'hui? Tout a été bien. Ok. Alors, promets à papa quelque chose. Promets à papa que tu le rendras vraiment heureux. Je vais te rendre fier. Tu vas me rendre heureux. Oh. Ok, et c'est bon, c'est gentil. Ok, je comprends, je suis désolé, je suis vraiment désolé, ok, j'endosse cette responsabilité. Ok, je comprends, je suis désolé, je suis vraiment désolé, ok, j'endosse cette responsabilité. Je suis vraiment désolé, je suis désolé, alors oublie un peu d'abord ce qui s'est passé, hein. Parlons maintenant de la solution. Alors qu'allons-nous faire? Comment ferons-nous pour trouver une solution à ce problème? Je ne sais pas. Ok, je sais qu'avec 50 000 Naira, tu pourras te débarrasser de ces foetus. Mais je vais te donner 100 000 Naira, comme ça tu vas t'en débarrasser. Que veux-tu que je fasse? Donc tu veux me donner l'argent que je parte avorter? Mon premier né. Sais-tu que c'est impossible? Je ne peux jamais le faire. Est-ce que vraiment tu veux... Tu te rends compte de l'acte que je veux poser? Tu pensais vraiment que je vais trembler pour ton argent? Tu as désobéi à mon innocence en faisant cela. Et maintenant, tu me demandes d'avorter mon premier fils. Je ne peux jamais le faire. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça avec mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a encore entre vous deux? Regardez-moi cette fille. Hein? Elle est ici en train de me supplier de lui pardonner. Est-ce que c'est normal? Elle continue à commettre la même erreur, mais elle me demande de lui pardonner. Non, mais je ne sais pas, si je lui pardonne, elle recommencera la même bêtise. Mais c'est bon. Remercions le Seigneur pour ses excuses. Si c'était une autre personne, elle n'allait pas les faire. Hein? Non, c'est bon, mais si on lui pardonnait, elle continuera à commettre la même bêtise. Elle a déjà présenté ses excuses, oui. Je ne pense pas qu'elle va les faire prochainement. Hein? D'accord. C'est bon. Allons-y à l'intérieur.
feel the pains in my bones, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Ooh. I feel the pains in my bone, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I feel the pains in my bone, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Ooh. I feel the pains in my bone, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Ooh. Thank you.
I feel the pains in my bone, like it's also itching my hoof. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. Ooh. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dobbing, sur notre site web www.aforevo-dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. This is no life I'm living. I need the love of my dad. Come on, Lord, heal him. Let me have a touch of my dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad.